Je le présente, il s'appelait Henri. Il avait consacré sa vie à trouver des logements pour les pauvres gens et aussi un petit peu d'argent. Oui, mais voilà, il s'est conduit aussi comme Satan. Prédateur ne faisait pas que le bien, et à plein tube, mais on n'en savait rien, savait rien. Pourtant certains en avaient eu vent, il y a déjà fort longtemps, à profiter, ce brave curé diablement son rang. N'était pas dans la rue, ce grand homme de foi, aimait bien les filles nues, s'en tapait quelquefois, abusait de son statut, oubliait sa vertu. Entre deux belles paroles, se livrait à un viol, pendant des décennies, a commis ses délits, montrait sa tyrannie, face à quelques défis. Admirez ce drôle de gars-là, homme public, ses victimes ne font pas le poids. Acclamé par tant de personnes et célèbre dans tout l'Hexagone, il continuait allègrement ses coups bas. N'était pas dans la rue, ce grand homme de foi, aimait bien les filles nues, s'en tapait quelquefois, abusait de son statut, oubliait sa vertu, n'en avait jamais assez, voulait qu'on le cajole, par des actes obscènes, des façons les plus folles, usant des malheureux, qui le prenaient pour Dieu. Et pendant des années, il a recommencé. Et pendant des années, il a recommencé. Il était respecté pour la postérité. Terminé l'auréole pour le célèbre abbé. Peut-être bien qu'il rigole de nous avoir bernés, qu'il se fout des marioles qui révèle son passé. Même quand il était vieux, aimait bien tripoter, soi-disant homme de Dieu, on ne peut pardonner de cet homme dangereux, on ne peut regretter que ses propres aveux.